Pourquoi la manufacture? C'est une bonne question. J'avais plusieurs critères. D'abord, je voulais être dans une école où on avait assez peu d'élèves et des profs différents. En fait, c'est une amie qui m'a parlé de l'école. Et ce que j'avais aimé, en fait, c'est que l'objectif sur le long terme, c'est de créer une troupe de théâtre et qu'il n'y avait pas beaucoup, il y avait pas beaucoup d'individualité dans l'école. C'était beaucoup de collectif dès le premier jour et ça m'a plu. L'équipe des profs, comment je la décrirais? Je pense que je dirais déjà qu'elle est super complémentaire. En fait, ce qui est bien avec l'équipe des profs à la Manu, c'est que c'est des intervenants, c'est pas des profs rattachés à l'école. Ils sont dans le milieu du travail, donc ils nous aident vachement à savoir comment gérer tout ce qui est casting, confiance en soi, tout ça. On n'a pas deux professeurs qui se ressemblent, on a des profs très différents. On sent vraiment qu'ils portent les projets, qu'ils ont envie que nous, on apprenne des choses. Donc, ils sont vraiment à l'écoute et ça, c'est assez agréable d'avoir des gens qu'on sent à disposition pour pouvoir bosser. Tout le retour, en fait, ils sont bons à prendre et même si ce n'est pas forcément du positif, ça nous encourage à nous dépasser. Je me suis rendu compte que, justement, à la différence du conservatoire d'Aix-en-Provence que j'avais fait, qu'on n'avait qu'une prof. Là, c'était donc une mixité de professeurs avec plein de compétences différentes, on apprenait plein de choses différentes et c'était tout le temps des profs très à l'écoute. Le bien aussi, c'est qu'on a des professeurs de chant et de danse et que je trouve ça bien de pouvoir gérer son corps et sa voix dans le métier de comédien. On a eu un stage Comédia dell'Arte en première année, un stage clown, on a eu des stages cinéma, beaucoup. Enfin là, on a fait 5 semaines, du coup on a tourné, on a eu un directeur de casting qui est venu. On part à Avignon en dernière année, une masterclass de combat. C'était physique, mais maintenant je sais me battre comme Jon Snow. On a eu plein de personnes qui sont venues, on a Rémi DeVos qu'on va bientôt avoir. On a des cours d'écriture, des cours de chant, des cours de danse, des cours de mise en scène. Le 13 janvier, on s'est préparé pour 15 minutes de show, mais c'était très intense. C'était de l'adrénaline et en fait on a tout cassé quoi. C'était avant de rentrer... sur scène, juste avant, on était tous réunis, on a commencé à se chauffer, se motiver ensemble et c'est une expérience inoubliable. Et quand j'y repense, ça me fait les frissons encore. L'ambiance qu'il y a aussi dans une salle de théâtre, c'est incroyable. C'était indescriptible. Si je vais décrire la manufacture en un mot, je dirais que c'est du travail parce qu'en soi, c'est hyper agréable, on s'amuse beaucoup, c'est très chouette, on rigole. Mais sans le travail derrière, on peut pas rigoler autant. Sans bien maîtriser la scène, connaître son texte, avoir bossé avant, bah, y a pas d'amusement possible. Une fois qu'on connaît ça, qu'on a bossé, là on peut s'éclater sur la scène, on peut s'éclater sur tout. Et c'est à ce moment-là que tout le côté super agréable du théâtre arrive. Mais il arrive pas sans le travail et l'école nous permet... d'avoir un bon cadre de travail, des salles de répète disponibles, des choses comme ça, donc c'est assez bien. Il n'y a pas qu'un seul mot, c'est trop bien, c'est une famille en fait, la Manu. Vous pouvez y aller en courant, les yeux fermés, c'est une très bonne chose. Voilà, c'est une école qui est très inclusive, il n'y a aucun jugement. Non, en vrai, c'est une super bonne école et c'est cool parce qu'elle est jeune, elle est dynamique. Il y a de la bienveillance partout, que ce soit avec les professeurs, les cours, les élèves ou l'administration.